on a l'impression que c'est extrêmement difficile de faire bouger des choses à Montréal. Qu'il y a une inertie, qu'il y a quelque chose de limite décourageant un petit peu là-dedans. On peut critiquer beaucoup de choses, on peut s'insurger, on peut s'indigner, on peut vouloir être habité par une énergie un peu de colère face à certaines choses qu'on constate dans le monde. Puis nous, on voulait justement s'inscrire en faux contre ça, en disant que c'est pas si compliqué de faire des choses grandes du moment qu'on est beaucoup à vouloir les faire. On veut beaucoup ramener cette idée de rêve. Donc quand on rêve, on n'est pas dans la critique, mais oui, on voit des choses qui manquent. Parfait, ben on va rêver comment ça pourrait être et on va mettre ça de l'avant. C'était le moyen de reconnecter, de faire redécouvrir aux citoyens qu'ils ont ce pouvoir d'agir-là sur leur vie. Et puis la force du nombre fait que ça a un impact. L'idée est très simple. Il s'agit de générer 100 interventions urbaines, ou plus, pour améliorer la ville en un jour. Et derrière ça, ce qu'on veut faire, c'est d'aller prendre la ville d'assaut, dans un esprit bien sûr de la rendre meilleure, pour avoir un impact. Parce qu'on sait que des petites actions ont lieu tout le temps là, reste que quand on est tous ensemble, la visibilité et donc l'impact sont beaucoup plus grands. Ça en un jour, pour moi, c'est une gigantesque excuse pour se réapproprier la ville, pour créer des connexions entre les gens, pour réapprendre aux citoyens à se regarder, à se parler, à rentrer en communication les uns avec les autres. C'est comment est-ce qu'on s'active en tant que citoyen. C'est une plateforme pour explorer qu'est-ce que ça veut dire habiter en ville, qu'est-ce que ça veut dire vivre ensemble. Les gens qui venaient nous voir, qui étaient intéressés par ce projet-là, le plus grand besoin qu'ils avaient, finalement, qu'ils exprimaient, c'était le besoin de se connecter à d'autres personnes. Cette notion de communauté est attachée à les gens qui se connaissent, les gens qui partagent un territoire, qui partagent des besoins, qui sont ensemble et que peut-être avec ça, en un jour, ils allaient pouvoir vraiment aller un pas de plus dans le comment on construit ensemble, on continue à construire ensemble notre communauté. La ville, en tout cas pour nous, en tant qu'urbains, la ville, c'est le premier des biens communs. Cette notion publique qui est la ville, qui nous appartient à tous, et qu'elle n'est pas à d'autres de la définir, mais à nous de le faire, je pense que c'est comme si on, avec ça, en un jour, on a activé ces citoyens-là qui sont les détenteurs ou les protecteurs et ceux qui vont prendre soin du bien commun. De nos jours, dans nos espaces publics, on a un étrange paradoxe là qui se passe. C'est des espaces qui appartiennent à personne, n'est-ce pas? C'est pas à moi, ça appartient à personne. Alors qu'en réalité, non, en réalité, ça appartient à chacun d'entre nous, ça appartient à nous tous. Alors comment est-ce qu'on va les habiter? Comment est-ce qu'on va faire en sorte que la ville dans laquelle on habite reflète ses habitants, reflète nos aspirations, reflète nos rêves? C'est ça la question. L'identité urbaine, donc je m'identifie à, ne peut pas se passer si moi, comme personne, comme acteur de cette ville, je ne suis pas connecté au territoire. Parce que c'est là qu'on se communique, qu'on transforme, qu'on vit, qu'on définit. Donc c'est comme un peu cette notion de savoir que s'il n'y a pas cette connexion-là, il n'y a pas d'appropriation. Quelqu'un qui sort de chez eux, puis qui met son sac de poubelle au pied d'un arbre plein de fleurs, il n'a pas regardé son territoire, il n'a pas regardé qu'il y avait des fleurs. Donc il n'est pas connecté à la beauté de quelqu'un d'autre. Donc, tu sais, le moment où on prend cette conscience-là, qu'on respire et on dit « Waouh, il y a quelqu'un qui a mis des fleurs ici, je vais prendre soin. » Alors, c'est tous ces éléments-là qui font que le moment où on est actif sur le territoire dans lequel on habite, il y a une conscience et il y a une appropriation et l'engagement arrive. Et à ce moment-là, par défaut, on participe. Il faut que les interventions qui vont être faites contribuent de façon positive à la ville. Puis c'est cette idée de dire on construit tous quelque chose pour le bien de tous, donc pour le bien commun. On se met au service du bien commun. De la même façon qu'on le fait dans nos interventions, on fait des interventions parce qu'on pense que ça va bénéficier à d'autres, à ceux qui nous,
nous entoure. Donc c'est cet esprit-là. C'est incroyable. Pomme poire de Montréal, locale, gratuite. Servez-vous. Une poire? Moi, c'est une pomme. En effet, c'est un collectif qui fait l'accueil de fruits en milieu urbain. En fait, il y a beaucoup d'arbres dans les... chez les propriétaires, chez les particuliers de Montréal, les arbres fruitiers. Donc, il y a des pommes, des poires, des prunes, des raisins, etc. que nous, on va récupérer pour ceux qui ne les utilisent pas, puis les redistribuer dans la communauté, donc aux propriétaires, aux bénévoles qui font les cueillettes, et puis à des organismes de sécurité alimentaire. Mais c'est sûr que quand on va au supermarché et qu'on voit qu'il y a des pommes qui sont importées de Nouvelle-Zélande, on trouve que c'est une absurdité environnementale. Les pommes et les poires poussent très bien ici. On aime vraiment l'idée de reconnecter les gens avec la nourriture qu'ils mangent. Et puis c'est ça l'idée aussi de l'agriculture urbaine. C'est, on se reconnecte, il n'y aura peut-être pas suffisamment de nourriture dans une ville pour nourrir toute la ville, mais au moins que les gens se disent « Ah, d'où est-ce que ça vient ce que je mange? Est-ce que c'est de la bonne qualité ?» Et comme ça, de faire un effet sur la demande qui va modifier l'offre. Là, c'est vraiment un idéal énorme. Mais juste à notre échelle, nous, c'est vraiment reconnecter les gens avec la nourriture qui pousse ici localement. Ça, c'est déjà génial. C'est quoi le bien commun? Mais c'est sûr que c'est différent si on est écologiste ou si on est socialiste. Ou, ben, pour moi, ça fait référence à... aux écosystèmes qui nous soutiennent, qui sont les conditions de la production. Sans ces systèmes, on ne pourrait pas vivre. Donc le bien commun, c'est ce qu'on ne peut pas commodifier, on ne peut pas mettre ça sur le marché, parce que le marché, ça veut tout prendre, puis ça veut accumuler capital. Donc c'est ridicule de mettre ce qui est essentiel pour la vie sur un marché, parce qu'après ça, on exclut l'accès. Au final, si je me pose la question, qu'est-ce qui fait une ville? Est-ce que c'est une administration? Est-ce que c'est des institutions? Est-ce que c'est ci? Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est des routes? Est-ce que c'est un réseau d'égouts qui fonctionne, etc.? Moi, je suis persuadé que ce qui fait une ville, au bout du compte, c'est les gens. Et ça passe par des espaces de participation, d'expression, des espaces où on peut exprimer des choix en votant, par exemple. Mais ça passe aussi, je trouve que c'est très important d'avoir des espaces d'action. Le premier défi que j'associe à cela, c'est être confronté à ses propres habitudes, ses propres façons de faire, ses propres préjugés parfois, et de le vivre. Parce que c'est bien beau hein, de parler de participation citoyenne, puis d'espace ouvert à tous, et de ci et de ça. Quand vient le moment de faire là, waouh, ce pouls-là, cet empowerment-là, ce « oui, go for it », c'est ton rêve, tu peux le faire, on va être ensemble, on va être avec toi, était vraiment le nerf de la guerre. Les idées, pas de problème. Après, ok, tu vas le faire où? Ah, je sais pas si j'ai le temps, je sais pas si je peux. Bon. Des réflexes. Donc, on s'est rendu compte qu'il fallait vraiment mettre l'accent sur on veut ici des leaders d'intervention. Et je pense que c'est ça qui est beau, c'est de voir comment les gens vont prendre le lead, vont décider de passer à l'action, puis de devenir un leader d'intervention. Ça, c'est gros pour certaines personnes, pour beaucoup de personnes, c'est gros. Des fois, ça peut être facile de suivre dans un projet, mais se dire « moi, je vais créer quelque chose à partir de qui je suis, de ce que je trouve important et de ce que j'aime faire », pour moi, c'est quelque chose de très précieux de voir ça se développer dans les territoires. Alors, aujourd'hui, ça en un jour, est vraiment ce tissage de gens qui ont osé prendre la ville comme la sienne. Et je suis convaincue que demain, ce ne sera pas la même chose. Moi, c'est vraiment ça que je veux, c'est que ce projet-là, il continue à vivre, qu'il grandisse, qu'il devienne quelque part une petite institution à Montréal, puis un jour on aura un 100 tous les jours.